Là, il est en train de m'écrire maintenant le code. Non, quand je dis aux gens que l'école est périmée, c'est-à-dire que là, il est en train de, tout ce qu'il a écrit en haut là, il est en train de maintenant faire ça en site. Tout ce qu'il m'a écrit là, disons tout ce qu'il m'a écrit là, il est en train de me faire sa version site internet. Non, il est en train de me faire sa version électronique. C'est-à-dire que je lui ai demandé de me faire, et il est en train de me tout faire. Il me rédige. Donc aujourd'hui, mais c'est pas. Non. À ça. Si tu cherches à monter des business, voici un outil assez révolutionnaire pour toi. Cet outil va te permettre non seulement de trouver des idées si tu n'en as pas, et si tu as déjà des idées, cet outil va te permettre de mettre en place directement le business pour toi jusqu'à aller te créer ton site internet. Oui, je suis très très sérieux et je vais te le démontrer dans quelques minutes seulement. Et tu vas voir que tu peux monter tout ton business en quelques minutes. Les choses ont changé, les cartes ont été redistribuées et si tu tombes sur ce genre de vidéo, tu devais déjà la partager avec ton entourage pour les montrer comment l'intelligence artificielle est en train de redistribuer les cartes. Je ne vais pas te faire perdre ton temps, on va aller directement sur ChatGPT et je vais te démontrer tout ça dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin même, là, je te demande déjà de partager, de liker, surtout, de t'abonner à cette page-là pour recevoir du contenu assez qualitatif. Donc, on va directement sur ma page ChatGPT. Alors, pour aller sur ChatGPT, donc, on va basculer directement sur ChatGPT. Donc, je bascule automatiquement sur ChatGPT. Alors, concrètement, c'est une page qui se présente comme suit. Donc, vous pouvez venir directement et taper ChatGPT. Donc, une fois que vous tapez sur ChatGPT, vous allez arriver sur quelque chose qui ressemble comme ça. Donc, le lien, tout ça, pour ceux qui veulent, je vais vous mettre tout ça dans la description de cette vidéo. Donc, et quand on bascule sur ChatGPT, c'est simple, hein, https://chat.openai.com/chat et vous arrivez directement sur cette page. Et c'est sur cette page qu'on va commencer à demander à ChatGPT. Pour commencer, on va par exemple dire un nouveau chat. Donc, on est dans un nouveau chat et je vais lui demander, donne-moi 15 idées de business comme ça. Donne-moi 15 idées de business très rentables à lancer en Afrique. Voilà, et je fais entrer. Donne-moi 15 idées de business très rentables à lancer en Afrique. Voilà, il me dit, voici 15 idées de business qui peuvent être rentables en Afrique. Service de téléphonie mobile, agriculture. Et là, il va me donner les 15 idées. Services financiers, les services mobile money sont fortes en croissance en Afrique, offrant ainsi de suite. Ok, troisième idée. Et j'ai demandé 15 idées de business. Donc, je ne sais pas si je vais couper rapidement pour prendre les 15 idées. Là, il est en train de travailler. Il va me donner les 15. Éducation et formation professionnelle, énergie renouvelable, services financiers. Voilà. Voici déjà là où il me dit que c'est très rentable. L'éducation professionnelle, services de santé. Ok, sixième, il va me donner 15 idées. Technologie de l'information, de la communication, secteur d'éthique. Ok. Tourisme. Ok. D'accord, c'est très bien. Le tourisme est un secteur. Et on va aller plus loin. Commerce des détails. Il dit que le commerce, donc tout ce qui est magasin, les boutiques, ainsi de suite. Ok. Transport. Ok, le secteur du transport est en forte croissance. Ok, le secteur du transport. Je dis, il me demande un service de logistique, demande ainsi de suite. Ok, très bien. Donc là, il va me donner 15 idées. Production d'équipement. Donc, la demande de haute qualité, ainsi de suite, offrant une opportunité. D'accord, 12e idée. Je vais aller 14e. Service de nettoyage. Ok, voilà des idées de business. Donc, si vous voulez des idées de business, voilà comment ChatGPT vous donne des idées de business.
Et il continue à nous donner des idées de business. ChatGPT, il est en train de nous donner des idées de business. Donc là, un exemple, ok. Il va nous générer, il m'a généré combien? Il m'a généré, alors pourquoi il s'est arrêté? Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Bref, je peux relancer en fait, je peux relancer plusieurs fois. Vous voyez que tout de suite quand j'ai lancé, il m'a... Il a dit qu'à chaque fois, tu peux l'entraîner en fait. Là, il a dit que je peux le relancer autant de fois pour qu'il me donne autant d'idées possibles. Donc là, il me dit service de transport en commun moderne, fabrication de panneaux solaires, agriculture. Il me liste encore 15 autres. Bon, plus ou moins, je pense que voilà. Là, il est en train de refaire plus ou moins les mêmes choses. Voilà. Donc, il a dit que à chaque fois, si ça ne me plaît pas, je fais ici éditer. Là, c'était deux. Ça, je suis sur 2/2. Parce que c'est, la première était ici, ça ne m'a pas plu. Regardez, la première qu'il m'avait donnée, ça ne m'a pas plu. Et j'ai donné... J'ai demandé une deuxième. Je peux demander encore. Vous voyez, là, il est sur la deuxième. Je peux demander jusqu'à 1. Donc, regardez. Il me donne maintenant 15 idées. Services de transport, fabrication de panneaux solaires, ainsi de suite. Formation professionnelle en ligne, conception de logiciels, alimentation pour animaux, ainsi de suite. Alors, là, de ces 15 idées, si une des idées te plaît, si tu veux vraiment prendre une de ces idées et démarrer maintenant, ce que tu as à faire, c'est tout simplement d'aller prendre. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais tout simplement prendre une des idées. Donc, je prends par exemple service de transport. Je prends service de transport. Et je lui demande maintenant, trouve-moi un nom. Je vais lui dire, trouve-moi un nom. Trouve-moi un nom d'un business. Trouve-moi un nom d'un business de transport. En Afrique. Alors, en Afrique, rapidement. Donc, trouve-moi un nom. Donc, je dis, trouve-moi un nom d'un business de transport en Afrique et je lance la recherche. Alors, ChatGPT va travailler. Trouve-moi un nom. Alors, il va me trouver un nom. Il s'appelle Afrique Voyage ou Transport Afrique. Un nom, c'est très petit. Donc, je vais lui dire, trouve-moi 10 noms. Comme ça, j'aurai le choix. Trouve-moi 10 noms. Trouve-moi 10 noms. Je fais entrer. Trouve-moi 10 noms. Donc, il va me générer. Il me dit Transafrique Express, vitesse africaine, route unie, voyage en Afrique, métropole mobility, transcontinental, tout. 10 noms. Je peux même aller jusqu'à. Je dis que trouve-moi 25 noms. Vous voyez? C'est dit qu'on est en train de l'entraîner juste à nous donner le meilleur. Donc, je remets encore 25 noms. Afrobus. Transafrique, Bus Express Africa, Easy Ride Africa, Route d'Afrique, Moto Taxi Africa, Gogo Bus Africa, Afro Drive, Bus Line Africa, Eco Ride. Elle dit qu'il va nous trouver comme ça, 25 noms cargo, Afro Tribe, Eco. Vous voyez, 25 noms comme ça, de business. Il nous donne 25 noms. Alors, sur les 25 noms, on peut l'entraîner à aller plus loin. On dit, ok, il nous a trouvé des idées de business. Il nous a trouvé un nom. Maintenant, je vais lui demander maintenant de me trouver un plan de business pour Afrobus, par exemple. Donc, je dis que trouve-moi, je dis fais-moi un plan de business. Fais-moi un plan de business pour la société de transport. De transport Afrobus. Alors, on est en train de l'entraîner ensemble. Fais-moi un plan de business. Et j'attends, il est en train de réfléchir. Donc, j'ai trouvé une idée de business qui va être transport et j'ai trouvé un nom qui est Afrobus. Donc, je suis en train de dire plan d'affaires pour Afrobus. Il dit introduction. Afrobus, ainsi de suite. Là, il va me trouver même le plan d'affaires. Est une entreprise de transport en commun qui vise... Ouais, nous sommes à l'ère d'intelligence artificielle, les gars. Je vous dis,
Alors, peut-être il va prendre un peu plus de temps, mais je veux qu'on va le suivre bout à bout jusqu'à la fin pour voir vraiment quoi. On va le suivre bout à bout. Donc, Afrobus est une entreprise de transport en commun qui vise à améliorer les moyens de transport en Afrique en offrant des services de qualité fiables et économiques aux passagers. Nous nous concentrons sur les grandes villes et les routes commerciales les plus fréquentées. Ça, c'est l'introduction. Le marché cible. Notre marché cible. C'est-à-dire que le gars, il te sort un plan d'affaires. En fait, vous voyez là où je vais en venir en fait. Et là, on est en train de faire les choses étape par étape. La première étape, c'était quoi? C'était de trouver une idée. On est allé d'une idée. Donc, trouve-moi une idée de business. Deuxième étape, quand l'idée, c'est dans quel secteur? Après, quand il me trouve une idée, je lui demande de me trouver un nom. Le nom, il me trouve. Maintenant, sur le nom, là, je lui demande de me trouver maintenant un plan d'affaires pour ce business-là. Il me trouve ça. Après, je vais lui demander d'autres choses et on va aller crescendo, vous allez voir. Et il est en train de continuer à faire le travail. Les amis, en fait, ce n'est plus de la blague. L'intelligence artificielle est en train de malmener les gens. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que merde, mais les choses sont en train de changer. Les choses ne sont plus comme avant. Les choses sont en train de vraiment, les choses changent, tout est en train de changer. Donc vraiment, vous devez faire très 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 attention à ce que vous êtes en train de faire. Il dit le marché cible, notre marché cible comprend les travailleurs, les étudiants, le personnel à la recherche des moyens de transport pratiques. Nous visons à offrir des services aux personnes vivant dans la zone rurale et les produits et services. Il dit que nous proposerons des services de transport en autobus de grande capacité. Vraiment, je peux l'arrêter aussi, mais je laisse continuer pour que vous voyez un peu à quoi sa capacité. Mais je vais l'arrêter et l'amener vers autre chose. Donc là, il vous dit même, les autobus seront équipés de climatisation, des sièges confortables, d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les motos, taxis, voilà, seront... Et il vous donne tout le plan business. Moi, je vais arrêter ça. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, même pour ceux qui savent, je suis dans le transport sans que je n'en parle pas trop de ça, mais dans quelques mois... D'ici peut-être, avant la fin de l'année, je vais vous en parler, je vais vous montrer un peu, voilà, parce que bon, certains business également, c'est pas tout que je viens de dire ici, mais certaines choses que je me suis lancé dedans, je me suis formé et après là, je me suis lancé. Mais je vais vous en parler ça un peu plus tard. Et il me donne la stratégie de marketing, voilà. Quatrième point, donne la stratégie marketing. Notre stratégie marketing comprend des annonces publicitaires. Les médias traditionnels, voilà, les programmes de fidélité, ils vous donnent toute la stratégie. Non, c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose. Je suis en train de voir seulement, c'est... Non. Et ils donnent tout, quoi. Ouais. Des partenariats avec des entreprises locales, les organisations pour promouvoir nos services ainsi que... Et voyez qu'on est allé, de 15 idées de business et on lui a trouvé, il nous a trouvé des noms. Avec les entreprises ainsi de suite pour promouvoir nos services ainsi que la mise en place d'une application mobile pour la réservation et le suivi de nos services. Là, il donne une stratégie marketing maintenant au niveau du financement. Tout. Comment le projet sera financé? Tout ça, il explique. Tout ça, il explique. Comment ça va être financé? Tout ça. Non.
L'intelligence artificielle est en train de tout gâter, tout mélanger. Les prêts de développement, bon, bref. Il est en train de dérouler seulement. Et après ça, alors, je vais vous laisser vous continuer, mais je vais l'arrêter. Et ce que je vais lui demander, je vais l'arrêter et je lui demande maintenant, rédige-moi du contenu sur... Rédige-moi un langage, je dis rédige-moi du contenu pour le site internet de la société de transport. Donc rédige-moi du contenu ou bien rédige-moi voilà du contenu. C'est ça, je vais lui demander de me rédiger. Rédiger du contenu pour le site internet de la société de transport. Voilà. Et je vais tout simplement lancer. Il va me rédiger du contenu pour le site internet de la société de transport. Comment je vais présenter la société de transport? Donc, voilà. Il va dire bienvenue sur le site Afrobus. Afrobus est une entreprise de transport commun novatrice qui offre des services de qualité fiables et économiques aux passagers en Afrique. Nous nous concentrons sur des grandes villes, ainsi de suite. Là, c'est-à-dire que quand vous avez un site, lorsque vous arrivez sur un site internet, c'est un peu ça, c'est comme ça que ça se présente en fait. Quand vous arrivez sur un site, ça se présente bienvenue, ainsi de suite. Voilà, donc il va vous rédiger tout le contenu qui va être sur le site. Donc quand vous arrivez sur les mots de bienvenue, tout ça, c'est ce qu'il est en train de rédiger comme ça. Il va tout vous rédiger, nos produits et services. Nous proposons, il dit que dans la bannière, quand vous prenez un site internet, il y a la bannière. Hein, donc sur la bannière, il y a bienvenue, il y a la page d'accueil, il y a la page de produits, il y a la page de ainsi de suite. Là, il peut vous rédiger tout ça. Non, c'est... L'intelligence artificielle est en train de tout changer. Tout changer. C'est en train de tout changer, les amis. Tout est en train de basculer. Tout bascule. Là, je vous dis, tout est en train de basculer. Donc, vraiment, mais vous devez faire attention aux choses qui arrivent. Il continue. Et là, il est en train de continuer. Rejoignez-nous dès maintenant notre stratégie, et ainsi de suite. Contactez-nous, et ainsi de suite. Là, il vous rédige du contenu pour votre site internet. Et quel que soit votre business, j'ai pris pour le cas du transport. On pourrait, à partir de là, parce que là, on est allé de 15 idées, on a pris le premier, on a commencé. Vous pouvez prendre produit de soins naturels, et vous pouvez reprendre le même chemin, en fait. Vous pouvez avoir d'autres noms. Donc, vraiment, là, la balle est dans votre camp, quoi. Aujourd'hui, si quelqu'un voilà, ça, c'est vraiment en quelques minutes, quoi. Regardez, en quelques minutes, on a fait ça. Maintenant, je lui demande, écris-moi un langage informatique. Je dis que écris-moi le langage informatique, ou bien le code. Voilà, le langage code informatique. Pour le site, donc écrit le langage code informatique pour le site. Je valide. Là, il va me sortir maintenant. Je mets en tant que modèle de langage de reconnaissance de langue naturelle, je n'ai pas la capacité de coder un site. Vous pouvez engager un développeur pour créer le site Afrobus en mettant en œuvre les fonctionnalités souhaitées. Ok. Il est également recommandé de travailler avec un designer pour créer les. Bon, mais c'est pas grave. Je vais reprendre ici. Je veux dire, écris-moi
le langage informatique. Bon, pas le code, mais juste un langage informatique. Je vais voici le code. Voilà. Là, il est en train de m'écrire maintenant le code. Non, quand je dis aux gens que l'école est périmée, c'est-à-dire que là, il est en train de, tout ce qu'il a écrit en haut là, il est en train de maintenant faire ça en site. Tout ce qu'il m'a écrit là, disons tout ce qu'il m'a écrit là, il est en train de me faire sa version site internet. Pou. Non, ça. Il est en train de me faire sa version électronique. C'est-à-dire que je lui ai demandé de me faire, et il est en train de me tout faire. Il me rédige. Donc aujourd'hui, mais c'est pas. Non. Ah ça. Waouh. Et il rédige tout le langage informatique. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous prends juste un seul cas avec ça, c'est une seule intelligence artificielle. Tu vois, les pieds de page, voilà, tout. Les footers, il a dit que les pieds de page, il m'écrit tout le langage. Donc, à vous de l'entraîner, en fait, les amis. Donc, vous voyez qu'on vient comme ça de commencer d'un business de A jusqu'à Z, en fait. Donc, aujourd'hui, si vous ne pouvez pas vous lancer votre business, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème à votre niveau. Les amis, ça, si à partir de cette vidéo que vous avez vue vous-même, si vous n'arrivez pas, vous, à lancer un business, c'est que vous avez un problème. Que le problème, il est ailleurs. Mais le problème, ce n'est pas au niveau des idées de business. C'est pas... voilà. Le problème, il est ailleurs. Le problème n'est pas au niveau des idées de business. Parce que les gens vont dire que non, je n'ai pas d'idée de business. Je ne sais pas comment me prendre. On vous donne même toute la stratégie. Vous avez tout en main. Tout ce qu'il vous reste pour que vous puissiez vous également vous lancer, c'est tout simplement avoir le courage de commencer. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est l'audace. Moi, je pense qu'avec tous ces outils-là que vous avez à votre disposition, tout ce qui vous manque, c'est de l'audace. Donc, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu longue, mais ça vous a permis comme ça de comprendre mieux ChatGPT. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer encore d'autres intelligences artificielles qui sont encore plus dangereuses que ChatGPT. ChatGPT, c'est juste entré en la matière. Donc, je me propose comme ça, chaque jour, de vous proposer une intelligence artificielle et de comment elle fonctionne. Donc, restez connectés sur cette page, abonnez-vous et partagez-vous. Partagez cette vidéo-là. Chaque jour, je vais publier une vidéo comme ça où je vais vous faire la démonstration d'une intelligence artificielle. Vous allez voir comme ça comment ça fonctionne. Les amis, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.